Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars, ici c'est Jonathan Hachi mon ami. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, ici c'est la chaîne des entrepreneurs. On parle d'argent sans complexe, on n'a peur de rien, ok? Donc, voilà c'est tout, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que tu veux créer ton business, est-ce que tu dois créer une page Facebook ou un groupe Facebook? Donc la vidéo elle va être rapide, d'accord? Mais je tenais quand même à faire une vidéo là-dessus. C'est simple, là les pages Facebook c'est mort, ok? Si jamais tu te dis, ouh, j'ai lancé un business, je suis chaud là, ouh là là, Jonathan il m'a chauffé là, maintenant là, je me lance direct dans le business, je crée ma page Facebook, erreur fatale. Ne fais surtout pas ça parce qu'en fait, les pages Facebook n'ont plus aucun reach, ok? Donc reach, ça veut dire que, en gros, quand tu vas poster quelque chose, il n'y a personne qui va voir ton post sur ta page, d'accord? Il y a énormément de gens qui ont des centaines de milliers de fans sur leur page. Quand ils postent un truc, ils ont 4 j'aime. On ne comprend pas. Donc, en fait, c'est simple parce que Mark Zuckerberg, il a décidé de axer maintenant Facebook, en fait, va être axé sur la communauté. Donc, il va donner priorité au groupe. Donc, tu imagines bien qu'en fait, la réponse, c'est oui. Oui, il faut que tu crées un groupe Facebook et non une page Facebook. Pourquoi le groupe Facebook? Tout simplement que lorsque des gens rentre dans ton groupe, déjà ça fait communautaire, donc les gens ils se sentent bien, ils se sentent proches de toi, d'accord? Parce que toi tu postes, tout ça, ça réagit directement. Et donc cette sensation de communauté déjà, les gens ils aiment ça. Deuxièmement, lorsque tu vas poster, tout le monde va recevoir une notification, contrairement à la page Facebook. Tu vois, là tu auras une notification, donc il y a plus de probabilité que les gens viennent voir ton post. Donc déjà, juste pour ça, tu peux déjà créer ton groupe. Et après, lorsque tu vas grossir ta communauté, ce sera énorme, quoi. Ce sera vraiment une communauté. Tu mettras évidemment ton groupe, tu ne laisses pas tout le monde rentrer. Tu mets des questions pour que les gens puissent y accéder, d'accord? Pour qu'il y ait une porte d'entrée, pour que tu puisses choisir les gens qui rentrent et qui puissent correspondre au profil que toi tu recherches, d'accord? Ça sert à rien de faire rentrer des haters, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est aussi un avantage par rapport à la page Facebook. Donc concrètement, là aujourd'hui, si jamais tu veux créer ton business, si jamais tu veux choisir en tout cas entre la page Facebook et le groupe Facebook, crée ton groupe Facebook, ok? Maintenant, tu peux aussi créer ton blog. Ça, c'est mon avis. Il y en a qui disent que le blog, c'est mort. Moi, pour moi, tant que Google a des recherches, le blog n'est pas mort. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit le blog est mort. Je veux dire, justement, tout le monde part sur Facebook et ailleurs. Si toi, t'aimes écrire, fais tes articles. Fais des articles, comme ça, tu seras référencé plus facilement puisque plus personne va sur Google, enfin, en tout cas, sur les blogs. Ok, tu peux aussi créer ta chaîne YouTube. Ok, chaîne YouTube, il n'y a aucun souci. Fonce pour pouvoir créer ton business. Et donc, voilà. Hein. Donc, maintenant, en tout cas, c'est si jamais tu veux lancer sur Facebook, surtout ne crée pas une page, ça ne sert plus à rien du tout. Voilà, c'était en tout cas ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, si jamais tu as un business sur la santé ou les relations ou l'argent, par exemple, d'accord, tu as une expertise, je sais pas, tu es coach, thérapeute, tu es infopreneur, tu as une expertise dans la bourse, dans l'immobilier, dans quelque chose en tout cas où on gagne de l'argent, dans les relations, tu aides les gens à trouver la femme de leur vie, tu es sexologue, tous ces gens-là, là, si vous avez cette expertise-là, clique sous le lien dans la bio, là, dans la description juste en dessous, tu vas pouvoir avoir accès à une session offerte avec moi où je vais te dire exactement comment tu peux faire pour dépasser les 10K en 3 mois, d'accord? Faire minimum 10K en 3 mois, d'accord? Je vais partager une session, je vais partager des stratégies adaptées à ton business, personnalisées à toi et à ton business, parce que chaque personne est différent. Donc maintenant, tu as juste à cliquer sous le lien juste en dessous, tu vas devoir mettre ton mail. Une fois que tu vas mettre ton mail, tu vas atterrir sur mon calendrier, tu vas choisir ton jour, ton heure, ok? Et si jamais ton profil correspond à la personne que je cherche, eh ben du coup, eh ben on se verra à cette session stratégique. Donc, n'aie pas peur de prendre rendez-vous, il va rien se passer, c'est offert. Tu veux surtout pas rater les stratégies que je vais partager avec toi dans cette session offerte de 45 minutes. Sinon, les gars, d'ici là, prenez soin de vous et on reste déterminés.